agréable. Parlez-moi, Lydia, d'une expérience que vous avez eue quand vous étiez à Saint-Thomas cette fois. Peut-être une expérience qui vous a marqué, un souvenir mémorable. Peut-être une grande soirée de célébration avec vos amis, je ne sais pas. Je ne peux pas penser de quelque chose de particulier de Saint-Thomas parce qu'on a passé du temps avec ma famille, en famille. Une expérience que j'ai, c'est celle de Haïti, parce que pour moi, c'était la première fois, j'ai jamais visité. Parlez-moi donc de quelque chose qui vous est arrivé à Haïti. On a visité un petit un lieu qui appartient à l'agence de croisière, et il y avait un marché, il y avait beaucoup de gens d'Haïti qui étaient là pour vendre des choses vraiment intéressantes. Et je me souviens que, puisque je parle un peu le français, ma mère m'a demandé de faire la traduction pour elle, pour faire la marchandise, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fin, c'est presque tout le monde me connaît par le nom, parce que ma mère est en train de crier sur moi tout le temps, « Nidia, je veux quelque chose ici, viens trouver la traduction. » Et j'étais obligée de marchander pour elle et trouver le bon prix. Et on a trouvé les sculptures, les peintures qui étaient vraiment intéressantes. Donc, c'est ce que j'appréciais. Mais c'est merveilleux, ça. Et quand vous êtes arrivé à Haïti, qu'est-ce qui vous étonnait? Je suppose qu'il y avait des surprises pour vous. C'est que j'étais vraiment impressionnée par les montagnes, le fait que l'île, c'est vraiment magnifique. Et malgré tout cela, il y avait beaucoup de pauvreté. C'était vraiment triste, vraiment triste. Et en tout cas, on n'était pas permis de partir de cet endroit parce que des problèmes politiques qui est en cours dans ce pays. Donc, je n'ai pas l'occasion de voir vraiment la vraie vie des Haïtiens. Mais la petite chose que j'ai remarqué, c'est un pays vraiment magnifique, mais malgré tous les problèmes politiques qui existent. Et vous vous êtes bien amusé au marché, alors. Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est merveilleux. Et